The Orlando Magic selects. Yo, if you got guns, then bring 'em. Got the pain, and I'm gonna sing 'em. Reign supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 29e épisode des NBA Stories. La saison dernière fut marquée par la victoire surprise des Toronto Raptors en finale NBA, mais également par le départ en retraite de deux légendes du basketball, Dirk Nowitzki et Dwayne Wade. C'est l'incroyable parcours de ce dernier que nous allons découvrir aujourd'hui. D'un quartier sensible de Chicago jusqu'aux paillettes de Miami, celui que l'on surnomme le Flash a marqué son époque de par son énergie et son charisme, qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus populaires de sa génération. Comme à l'accoutumée, nous souhaitons remercier du fond du cœur les sponsors qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un pourboire. Aucun montant minimal n'est requis et votre nom apparaîtra dans notre prochain épisode en tant que sponsor. Il est maintenant temps d'attacher vos ceintures pour embarquer avec nous à la découverte de la folle carrière du Flash, Dwayne Wade. Notre aventure commence à Chicago au début des années 80. Loin de l'agitation des milieux financiers du Loop ou de la vie culturelle bouillonnante de State Street, c'est dans le South Side de Chicago qu'il faut nous rendre pour découvrir la genèse de Dwayne Wade. Cette partie sud de la ville, composée quasi exclusivement d'Afro-Américains, est tristement célèbre pour la criminalité élevée et l'insécurité ambiante qui y règne. C'est dans ce quartier que Jolinda Wade, qui avait déjà deux enfants d'une précédente union, épousa Dwayne Wade Sr., avec qui elle eut deux autres progénitures, une fille, Tragil, puis un fils, Dwayne Tyrod Wade Jr., qui naquit le 17 janvier 1982. Une faute d'orthographe fut commise dans son acte de naissance, plaçant la lettre Y au mauvais endroit. Toutefois, ses parents décidèrent de finalement conserver cette graphie peu commune. Jolinda Wade et Dwayne Wade Sr. divorcèrent lorsque leur fils était âgé de seulement quelques mois. Jolinda eut la charge de leurs deux enfants, et ne pouvant payer un loyer, emménagea chez sa propre mère à Chicago. Dans la pauvreté la plus totale, Jolinda Wade sombra dans la vente de drogue pour joindre les deux bouts. Une spirale infernale qui se conclut par une addiction qu'elle développa elle-même à l'alcool, l'héroïne et la cocaïne. Elle fut ainsi très souvent sous l'emprise de la drogue, même en présence de ses enfants. À l'âge de 8 ans, la sœur de Dwayne, Tragil, emmena son petit frère en cachette, en prétextant d'aller au cinéma, dans le but d'emménager avec son père et ainsi fuir les addictions de leur mère. C'est cette dernière que vous voyez à l'écran. And have to be separated from Dwayne and my children. It was hard. You know, I missed him. He was my baby, you know. Dans un environnement familial plus sain, deux années s'écoulèrent avant que Dwayne ne revit sa mère, qui n'était pas pour sa part parvenue à échapper à ses addictions. En 1994, elle fit une overdose presque fatale et sera condamnée à un an de prison pour des crimes liés à la vente de drogue. A young boy, I was just lost. I was confused, not really understanding what she was going through. Only thing I saw was that my mother was hurting, and that hurt me because I loved her so dearly. Pour fuir la violence des gangs, c'est dans le basketball et le football américain que le jeune Dwayne s'échappa. Il commença ainsi à développer des qualités certaines pour le basketball, en s'entraînant quotidiennement aux côtés de son père. Plus tard, il exprima avec émotion sa gratitude à l'égard de sa grande sœur, qui veilla sur lui pour ne pas sombrer dans la criminalité. In the same bed, so we talked every night. I talked her to sleep every night, telling her about my dreams and, you know, and telling her about my problems. You know, she was everything to me. Comme la grande majorité des jeunes de Chicago, Dwayne Wade tenait en idole Michael Jordan, qui faisait alors les beaux jours des Bulls en NBA. Il s'inspira de tous ses mouvements sur le terrain et émit alors ouvertement son souhait de devenir également joueur de basketball. Désormais, Dwayne ne vivait pas qu'avec sa sœur, mais également ses trois demi-frères, avec qui il entretint rapidement de forts liens de camaraderie, notamment sur les playgrounds de basketball. All space now, but this meant the world to us to have this little bitty space that we all can't fit on now, but this was our NBA right here. This was it. This was I was Jordan back here, I was Scottie back here. Au lycée, Wade excellait aussi bien au basketball qu'au football américain,
mais il prit finalement la décision de se focaliser uniquement sur la balle orange, où il devint une véritable star dans son lycée. Après avoir gagné 10 cm en un an, il compila 20 points et 7,6 rebonds de moyenne par match lors de sa première saison. En troisième année, ses statistiques s'améliorèrent encore pour atteindre 27 points et 11 rebonds de moyenne par match, ce qui fut alors un record dans l'histoire de son lycée. Au-delà des statistiques, c'est surtout son mental d'acier et sa forte compétitivité qui attirèrent l'attention de son entraîneur, Jack Fitzgerald, qui s'exprima plus tard en disant « Dwayne n'était jamais effrayé par l'adversité. Plus le match était important et le public nombreux, plus il prenait du plaisir. » We know that we're the underdogs, everybody we play. So we're gonna play our heart out for 34 minutes, more than 32. We're gonna keep playing. Ses faibles résultats académiques l'empêchèrent de rejoindre un programme universitaire prestigieux. Et seulement 3 universités iront jusqu'à lui offrir une bourse. Illinois State, DePaul et Marquette, qu'il rejoignit finalement. Étant donné qu'il échoua aux examens requis par la NCAA, il ne put participer à sa première saison universitaire, ce qui les contraignit à s'asseoir sur le banc toute l'année durant. He knew how bad I wanted to come to Marquette. I'm crying on the phone, and you know, he just told me, "Look, we're going with everything as planned. In another year, you'll be ready." Après une saison complète sans jouer, Wade réussit des examens requis et put enfin rejoindre l'équipe des Golden Eagles de Marquette, avec la soif de démontrer ses talents sur les parquets. Il mena ainsi son équipe à un bilan de 26 victoires pour seulement 7 défaites, le meilleur de l'université depuis plus d'une décennie. Lors de cette saison, Wade compila 17,8 points de moyenne par match. Les années difficiles dans la pauvreté étaient assurément terminées pour lui, qui devint l'un des prospects les plus convoités du pays et qui épousa Sivog Funchess à l'âge de seulement 20 ans. Sa mère, Jolinda, revint à lui en 2001, où elle lui promit de ne plus jamais s'adonner à la consommation de drogue. Selon ses dires, elle s'est décrite comme totalement sobre depuis 2003. Lors de sa seconde campagne avec Marquette, Wade augmenta ses statistiques à 21,5 points de moyenne par match. 3 jours après sa libération de prison, Jolinda Wade vit Dwayne jouer pour la première fois depuis 5 ans, dans une rencontre gagnée contre les Bearcats de Cincinnati, qui permit à Marquette de remporter le titre de champion de sa conférence le 8 mars 2003. Ses performances attirèrent l'attention du pays entier, et Dwayne Wade prit la décision de ne pas continuer son cursus universitaire dans le but d'inscrire son nom à la draft 2003 de la NBA. Cette draft est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire de la ligue, puisqu'elle vit des joueurs comme LeBron James, Carmelo Anthony ou Chris Bosh rejoindre la NBA. Dwayne Wade fut lui sélectionné en 5e position par le Heat de Miami. The Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. Une récompense énorme pour lui qui mit tant d'efforts à sortir de la misère à travers le basketball. And the sixth pick is Chris Kamen. And Chris Kamen says, "Whew, I'm glad I get picked by Miami." Tom, I say, "What you mean?" He said, "Man, I heard about Pat, you know, what he do this and that." I start smiling inside because I'm like, "This is exactly what I want. I'm ready to learn at this level and try to do the best I can." When I got here for the first time, I was like, "What the? What is this? This is like paradise. This is what I dreamed of." Alors que le Heat était l'une des meilleures équipes de la ligue lors de la fin des années 90, la franchise floridienne avait mal entamé le nouveau millénaire et sortait de 2 exercices conclus dans les dernières places de la conférence Est. L'arrivée de Wade était ainsi synonyme d'une reconstruction à venir autour de lui. Il se montra rapidement comme le joueur clé de la franchise de Miami, en inscrivant 16,2 points de moyenne, accompagné de 4 passes et 4 rebonds. Toutefois, le début de sa carrière en NBA n'attira que peu de médiatisation, lui qui était dans l'ombre des jeunes prodiges LeBron James et Carmelo Anthony. Cela fut d'autant plus visible au Rookie Challenge du All-Star Weekend de 2004, où Wade était placé au second plan. Cet événement le motiva toutefois à donner le meilleur de lui-même pour se faire connaître du grand public.
Son arrivée au Heat permit à l'équipe de remporter 17 victoires supplémentaires par rapport à la saison précédente, et ainsi participer aux playoffs. Lors du premier match de cette série éliminatoire, Wade inscrivit un panier décisif à la dernière seconde du match pour offrir la victoire au Heat face aux Hornets. At 79, they let the rookie handle Wade out in front. Game one will be decided right here. Wade puts it up. It's yes. Good! Yeah, baby! Came through! Yes! Stan Van Gundy went to the rookie and he delivered! The rookie, Dwayne Wade, has given Miami a dramatic game one victory. Remportant cette série 4-3, Miami affronta ensuite les Indiana Pacers, alors favoris de la compétition. Le Heat montra une incroyable adversité et perdit finalement la série en 6 matchs. Wade devint le premier rookie de l'ère moderne à mener les statistiques de son équipe en points et en passes décisives. Le plus important avait été accompli pour Dwayne Wade, qui avait enfin réussi à sortir de l'ombre de Carmelo Anthony et LeBron James. L'intersaison 2004 fut marqué par l'arrivée avec fracas de Shaquille O'Neal en Floride. L'ajout dans l'effectif du Shaq permit au Heat d'instantanément inscrire son nom parmi les favoris au titre de champion. Toutefois, les relations tendues que connut O'Neal avec des coéquipiers plus jeunes que lui soulevèrent l'attention des observateurs qui émirent des doutes sur la cohabitation à venir entre Wade et lui. Une hypothèse que le Shaq écarta dès la première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. I'm glad to be here. And I know you guys are probably going to start talking about whose team is it. I'm letting you know now it's Dwayne Wade's team. He's that type of guard that could lead us and do good things. And I'm just his big brother, and I'm just here to back him up. So this is Dwayne Wade's team. We don't want to hear no questions this year about whose team it is. I'm telling you now it's Dwayne Wade's team. He's the point guard. Eddie's his medium-sized brother, and I'm his big brother. And we're going to do this. They had like 2 days in the paper before that it was Shaq's team, hands down. And he came back and said that, but... Les deux joueurs joignirent alors le geste à la parole en démontrant leur parfaite alchimie lors de cette saison 2004-2005, qui vit Miami finir à la première place de la conférence Est. But we didn't have any problems because I was just tired at that point. I don't want to. It's your team. I don't even. Because it don't mean nothing. It was my team in LA and look, I got traded. So that don't mean nothing. So you keep it, young fella. It's yours. C'est aussi lors de cette saison qu'O'Neal donna à Wade son fameux surnom de Flash, en référence à sa vitesse, qui lui rappela le super-héros du même nom. Shaq gave me a nickname, Flash, and then people want a little glimpse of Flash. Dun, 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 Flash. Ah. Dwayne Wade était désormais devenu une célébrité, aussi bien sur les parquets qu'en dehors. La popularité d'O'Neal lui ayant notamment permis d'accroître sa médiatisation. Blessé, le Shaq ne put participer au début de la campagne des playoffs 2005. Et il incomba donc à Dwayne Wade de porter l'équipe sur ses épaules. Le Heat sweep à New Jersey au premier tour, grâce notamment aux 26 points, 8 passes et 6 rebonds de moyenne de D-Wade. Il continua à d'éclabousser le monde du basketball de par ses talents, en compilant 31 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, pour éliminer les Wizards au tour suivant, grâce à un nouveau sweep. Toutefois, la saison dorée de Miami se conclut en finale de conférence Est, qu'ils perdirent en 7 matchs face aux Detroit Pistons, alors champions en titre. Porté par le retour de Shaquille O'Neal, Wade inscrivit la bagatelle de 42 points lors du match 2, puis 36 lors de la rencontre suivante. Il se blessa toutefois et ne put participer au troisième duel de la série, qui fut synonyme d'une défaite cuisante face à une équipe de Detroit bien plus expérimentée. Malgré un avantage de 3 rencontres à 2 dans cette série, et après avoir mené au score à quelques minutes du match 7, le Heat s'inclina finalement de 6 petits points face aux Pistons. Après seulement 2 saisons dans la Grande Ligue, Dwayne Wade était devenu l'un de ses joueurs stars. L'élimination cruelle contre les Pistons fut une grande motivation pour revenir plus fort l'an prochain
lui qui exclama publiquement sa déception de ne pas avoir pu atteindre les finales. Malgré cela, la saison 2005-2006 connut une entame de bien mauvais augure lorsque Shaquille O'Neal se blessa lors du second match seulement. Sans leur pivot star, le Heat avait une grande difficulté à asseoir sa domination sur les parquets. Pour remédier à cette situation, Pat Riley, alors general manager, prit la décision de se séparer de l'entraîneur Stan Van Gundy pour endosser lui-même la casquette de coach. Le nouveau mandat de Riley en tant qu'entraîneur fut très poussif, avec notamment une lourde défaite de 36 points face à Dallas. Mais il n'était pas possible pour Wade de baisser les bras, puisque la rencontre suivante fut contre son ennemi juré, les Detroit Pistons. Mené de 13 points au dernier quart-temps, la saison du Heat semblait être sur la route d'un long cauchemar, mais le Flash, Dwayne Wade, ne l'entendait pas de cette oreille. Et ce qu'il fit fut phénoménal, puisqu'il inscrivit 15 points dans le dernier quart-temps et conclut la rencontre avec un magnifique buzzer beater pour offrir la victoire au Heat. Ce succès fut un tournant décisif dans la saison de Miami. Il n'y avait désormais plus aucun débat, le patron de l'équipe était bien Dwayne Wade. Dans l'ombre du Shaq, le Flash enchaîna les belles performances pour porter son équipe jusqu'à un bilan de 52 victoires, synonyme de seconde place de la conférence Est. Les Bulls de sa ville natale, Chicago, furent les premiers adversaires de Miami lors des playoffs 2006. Dans sa croisade pour mener son équipe jusqu'au final, Wade ne fut d'aucune pitié face à Chicago, en inscrivant 30 points lors de la première rencontre. Malgré deux matchs à l'extérieur perdus, Miami parvint toutefois à éliminer les Bulls en remportant la série 4-2. En demi-finale de conférence, Dwayne Wade compila 27,6 points de moyenne pour éliminer les New Jersey Nets sur le score de 4 matchs à 1. Wade avait enfin atteint sa quête de vengeance en se glissant jusqu'au final de conférence face aux Detroit Pistons, la bête noire du Heat. Pétri d'une motivation féroce, Dwayne Wade compila 27,7 points de moyenne lors de cette série pour éliminer les Pistons sur le score de 4 matchs à 2. Pour la première fois de sa jeune histoire, le Miami Heat était sacré champion de sa conférence et les folles performances de son nouveau joyau n'y étaient pas étrangères. Mais le plus difficile était encore à accomplir, en affrontant une solide équipe de Dallas lors des finales NBA 2006. La plupart des observateurs américains voyaient alors les Mavs favoris de ce duel, de par la relative inexpérience de Dwayne Wade notamment. Mais le Flash avait à cœur de démontrer en action le proverbe disant qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Malgré les 28 et 23 points inscrits par Wade lors des deux premières rencontres de la série, celles-ci se soldèrent par de courtes défaites, ce qui mit le Heat en fâcheuse position face à une équipe de Dallas qui semblait dominer son sujet. Les Mavericks ne lâchèrent pas leur proie en entamant la troisième rencontre sur les chapeaux de roue. Avec seulement 6 minutes de jeu restant, Dallas avait déjà consolidé une avance de 13 points. Les fans de Miami commencèrent à perdre tout espoir de titre, mais ce n'était pas le cas de Pat Riley, qui motiva ses troupes pour tenter un difficile comeback. Le vétéran du Heat, Gary Payton, raconta plus tard « La première chose que Dwayne a dit après ce temps mort est « Je ne veux pas rentrer à la maison de cette manière ». La défaite n'était désormais plus une option pour D-Wade, qui prit le jeu à son compte pour inscrire un total ahurissant de 42 points. Comme la fin d'un film hollywoodien, Wade comptera la balle de la dernière possession de Dallas pour permettre à son équipe de remporter la rencontre par deux petits points d'écart. Ce n'est pas seulement cette rencontre que D-Wade avait transformée de par son talent, mais l'intégralité de cette série. Les Mavericks furent totalement incapables de trouver une parade face aux performances de Wade, qui marqua deux lancers francs décisifs à la fin du match 5 pour mener la série 3-2. À une petite victoire du sacre, il était impensable pour un compétiteur comme lui de baisser les bras. Dans un duel serré jusqu'au buzzer final, D-Wade inscrivit 36 points pour permettre à son équipe de s'imposer 95-92 et ainsi devenir champion NBA.
It was just a couple years ago, I had 3 scholarship offers. And now I'm standing up on this stage and I'm the Finals MVP. At this moment, I'm the best player in the world, right? I'm Finals MVP. So I'm like, this is crazy. You belong to me! À seulement 24 ans, Wade était devenu champion NBA, mais aussi l'un des joueurs les plus populaires de la ligue, étant en tête des ventes de maillots et véritable idole des jeunes. Tandis que le succès est souvent synonyme de mégalomanie parmi les joueurs NBA, Dwayne Wade est une exception. Tout au long de sa carrière, il rayonna de par son humilité et son apparente douceur, qui contraste avec les paillettes de la Grande Ligue. Proche des fans et des enfants défavorisés, Wade se dressa en étendard pour prouver que la violence n'est pas la seule destinée possible pour les jeunes issus de quartiers pauvres. Comme la plupart des champions NBA le disent souvent, remporter un second titre est une tâche bien plus ardue qu'un premier sacre. Cela fut confirmé par les 2 saisons suivant le titre du Heat. Lors de l'exercice 2007, une avalanche de blessures s'écoula sur l'équipe de Miami, qui fut éliminée au premier tour des playoffs face aux Bulls. Le Heat conclut la saison avec un bilan de 67 défaites, synonyme de dernière place de la conférence Est. En 2008, Wade participa aux Jeux Olympiques de Pékin, où il remporta la médaille d'or avec l'équipe des États-Unis et inscrit les 27 points en finale face à l'Espagne. Il termina également meilleur marqueur de l'équipe américaine avec une moyenne de 16 points sur l'ensemble du tournoi. Désormais dépourvu de Shaquille O'Neal dans son effectif, Miami redressa la barre pour participer aux playoffs 2009 et 2010. Ils se virent toutefois éliminés de ces 2 séries au premier tour face aux Hawks puis aux Celtics. L'arrivée d'Eric Spoelstra en tant qu'entraîneur, alors le plus jeune de l'histoire de la NBA, marqua le début d'une nouvelle ère pour la franchise floridienne. C'est lors de l'intersaison 2010 que les étoiles s'alignèrent autour de Dwayne Wade pour former l'un des meilleurs trios de l'histoire de la ligue qui gagna le surnom des Heatles. En effet, le 8 juillet 2010, LeBron James annonça en direct à la télévision son départ des Cleveland Cavaliers en direction du Miami Heat. Cette mise en scène controversée, connue sous le nom de The Decision, fut suivie en direct par près de 10 millions de téléspectateurs. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. Ce choix de LeBron James déclencha un élan de haine parmi les supporters de Cleveland. Supported him for 7 years now, and for him to go on there and drag us through the mud for 7 years and stab us in the heart, he deserves everything he gets. I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. I just want to say I'm a big LeBron fan and this is the worst thing that could have ever happened to me. And I just want to say that I hope that LeBron doesn't win a championship in Miami. Quelques jours auparavant, Chris Bosh annonçait sa venue à Miami et Wade prolongeait son contrat en Floride. Les 3 joueurs partagent le point commun d'avoir été draftés la même année, respectivement en 1ère, 4ème et 5ème position. Depuis 2003, Wade et LeBron James avaient noué des liens d'amitié forts, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, les 2 compères définissant régulièrement la relation comme une véritable fraternité. La vitesse de Wade, combinée à la puissance de James et le mental d'acier de Bosh, fut du trio l'un des arsenaux les plus complets de la ligue, et le grand favori au titre final. Finissant la saison régulière avec un bilan de 58 victoires, ils éliminèrent ensuite Philadelphie, Boston, puis Chicago en playoff, par 3 fois 4 victoires à 1. C'est les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki qui se dressèrent sur le passage du Heat, plus que jamais en position de force. Remportant le premier match à domicile, Miami se fit surprendre lors de la deuxième rencontre de la série, qu'ils perdirent 93 à 95, malgré les 36 points de Dwayne Wade. Ramenant une victoire précieuse lors du match suivant, sur un score encore une fois étriqué, Miami se vit submergé par l'adversité des Mavs, qui gagnèrent les 3 dernières rencontres de la série
pour devenir champion NBA. Un désaveu terrible pour le trio, et particulièrement LeBron James, qui courait encore et toujours derrière une première bague. Comme le dit l'expression, il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Porté par son amitié avec James et Bosch, Dwayne Wade finit la saison suivant cette terrible désillusion avec 22 points, 4,8 passes décisives et 4,6 rebonds de moyenne. Concluant la saison 2012 avec un bilan de 46 victoires, le Heat élimina ensuite les Knicks sur le score de 4 matchs à 1, puis les Pacers 4 matchs à 2, avant de difficilement disposer de Boston en finale de conférence sur le score de 4 matchs à 3. Le dernier obstacle au titre final se nommait Oklahoma City, porté par ses jeunes stars Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. À la surprise générale, les coéquipiers de Dwayne Wade perdirent la première rencontre à l'extérieur. Gommant toute possibilité de nouveaux désaveux, le Heat gagna ensuite les 4 rencontres suivantes pour remporter le deuxième titre de leur histoire, porté par un incroyable LeBron James qui sera sacré MVP des finales. L'année suivante fut celle de la consécration pour cette équipe, que certains considèrent comme une des plus talentueuses de l'histoire de la ligue. Finissant la saison régulière avec un bilan de 66 victoires, le Heat se glissa en finale pour affronter un coriace adversaire du nom de San Antonio Spurs. Le duel fut intense et les deux équipes ne purent se départager en alternant victoire et défaite lors des 5 premières rencontres. Au match 6, qui ira jusqu'en prolongation, le nouveau venu Ray Allen inscrivit un panier à 3 points décisif en toute fin de match pour offrir la victoire aux siens. Cela sera consolidé par un grand match 7 de LeBron James qui permit à Miami de remporter un second titre consécutif, le troisième de la carrière de Wade. Le Flash manqua près de la moitié de la saison 2014 pour cause de blessure, une année qui fut la dernière du trio Wade, James et Bosch. Bien que se glissant plutôt aisément jusqu'au final NBA, pour la troisième année consécutive, Miami fut littéralement dépassé par des Spurs de revanchards qui gagnèrent la série 4 matchs à 1, ce qui sonna le glas de cette période dorée de la franchise floridienne. En effet, quelques semaines plus tard, LeBron James annonça son retour à Cleveland, tandis que Wade prolongea son contrat avec le Heat. C'est lors de cette intersaison que Wade épousa l'actrice Gabrielle Union en secondes noces, et avec qui il aura un quatrième enfant quelques années plus tard. When he became my best friend, it started off he was one of my friends, and it was like, oh, he's a good friend, and then it was. La saison 2015 fut marquée par de nombreuses blessures de Dwayne Wade, qui furent fatales au Heat, l'équipe ne parvenant pas à accrocher une place pour participer aux playoffs. Le Miami Heat redressant la barre en 2016, Wade se montra néanmoins moins à l'aise lors de cette saison, durant laquelle son équipe se fit éliminer par les Raptors en demi-finale de conférence. En mauvais termes avec la direction du Heat, les pires cauchemars des fans floridiens se concrétisa lors de l'intersaison 2016. Déçu par le manque de considération qu'il estima à son égard, Dwayne Wade prit la difficile décision de quitter son équipe de toujours pour rejoindre sa ville natale et de s'engager avec les Chicago Bulls. Cette expérience fut un échec sportif et personnel, Chicago acceptant de le libérer de son contrat l'année suivante. Wade saisit alors l'opportunité
de rejoindre son ami LeBron James à Cleveland. Malgré tout, Dwayne Wade le savait bien, son cœur est à Miami et nulle part ailleurs. Ces deux années restèrent anecdotiques dans la carrière du Flash, qui fit finalement son grand retour à Miami en 2017. Bien que les Heat n'obtinrent pas de succès concret en 2017 et 2018, Wade se montra encore à son avantage, avec 12 puis 15 points de moyenne par match. Finalement, Dwayne Wade annonça sa retraite à l'été 2018, la saison à venir étant donc la dernière de sa carrière. Cette décision est à son image, humble et intelligente. Au lieu de conclure sa carrière à bout de souffle, Wade décida de fermer ce chapitre par la grande porte, en faisant son adieu au public de façon noble et grandiose. Malgré ses 37 ans, il se montrait encore performant et décisif. La popularité de Dwayne Wade ne s'explique pas seulement par ses performances sur les parquets. Sa compassion, son abnégation et son humanité firent de lui un joueur unique dans l'histoire de la NBA. Comme le dit sagement ce proverbe, ne soyons pas tristes que cela soit terminé, soyons plutôt heureux que cela se soit produit. Si les gestes de Dwayne Wade ne seront plus jamais appréciés sur un parquet de NBA, nul doute que son génie résonnera jamais dans le cœur des fans qui ont eu la chance de l'admirer. Just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really, I don't mind, 'cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah. No longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say. Whatever they want, what's left to say. What's left to say. 'Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believe.